Et je leur annonce à tous qu'on va en voyage scolaire en Angleterre, ok? Let's go to London. Et ben ils me regardent avec leur tête de veau, on a l'impression qu'ils ont rien à faire de rien, quoi. Bah c'est normal, c'est des ados. Mais non, justement, l'adolescence c'est le bouillonnement, quoi. C'est la passion, c'est the fire. Non mais tu rêves complètement, toi. Je vais te montrer. Mariani, viens ici deux secondes, viens. Tu observes bien son visage, hein? L'incrédulité. Mariani, t'as tellement déchiré à ta dernière interro, j'ai envoyé ta copie à l'inspecteur d'académie, tu sautes une classe. Ah ouais? Cool. La tristesse. Mariani, j'ai une mauvaise nouvelle, tes parents divorcent. Mais c'est moi qui épouse ta mère, maintenant tu vas m'appeler beau papa. Ah ouais? Cool. La joie. Mariani, à partir de la semaine prochaine, je suis muté, c'est Beyoncé qui va me remplacer. Ah ouais? Cool. Voilà. Bon, bah tu peux partir maintenant. Ah ouais? Cool. Et en plus, lui, je l'aime bien, parce qu'au moins, on peut discuter un peu. Mais il y en a, ils sont beaucoup plus retors. La petite Bresson, c'est un concept, hein. Franchement, mademoiselle Bresson, vous trouvez que ce torchon mérite l'appellation de journal de l'école? Sur le fond, on dirait plutôt vos copies de maths. Hein. C'est le vide intersidéral. Mais vous voudriez qu'on mette quoi? Nous, on parle de ce qui nous intéresse. Je sais pas. Des informations sur les programmes, sur l'orientation, des listes d'ouvrages à lire. Des choses qui intéressent les plus de 5 ans d'âge mental. Ah, c'est le journal de l'école, fais voir. Franchement, ça vole haut. Ah, la petite Berthier sert avec Antoine Duval. J'en étais sûre. Oh, mais ils sont mignons tous les deux. Ensuite, Katia Berthollet et Jules Lebrun, c'est fini. Katia Berthollet, attends, c'est qui déjà? Chichichichich, 3ème set. Tu sais, ils s'envoyaient toujours des petits mots. Confisqué. Réunion salle des profs, il faut qu'on parle. Olay et Karim en 4ème 2, ils sont embrassés. Benjamin, t'as vu? Quoi? Le cœur sur mon casier. Moi aussi, il y a une meuf qui me kiffe en secret. Wow, super! Ça, c'est le dessin d'une meuf trop bonne, je le sens. Ouais, moi aussi, je le sens. Ricodo le beau gosse, il y a une meuf qui rêve de toi en scred. Wow! Il y a des meufs qui kiffent les intellectuels, qui se laissent pas avoir par les grosses brutes. C'est vrai que les mecs à boutons tout queue, ça fait fantasmer tout le monde, c'est bien connu. Ça te trompe peut-être le cul, Vidal. Mais c'est comme ça. Pas trop jaloux? C'est un peu dur d'être jaloux de soi-même. Ça te trompe peut-être le cul, Ricodo. Mais tu vois, ton cœur, c'est juste parce qu'il y avait plus de place sur mon casier. Allez, garde la pêche. Allez, mon pote, tu peux le faire. Eh bien, une première fois à tout. Ça va, Vidal? T'as du feu, s'il te plaît, Théo. Du feu? Ouais. Bah, pour quoi faire? Pour ça. Mais tu fumes, toi? Ouais. Mais depuis quand? Depuis maintenant. C'est un truc en or pour choper les meufs. La magic touch, mon pote. Ah ouais? Regarde. Excusez-moi, mademoiselle, vous auriez du feu, s'il vous plaît? Oh, trop bien! Je vais essayer. Voilà. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, Théo? Vous auriez du feu, s'il vous plaît. Et pourquoi faire? Devenir stérile, impuissant et attraper le cancer? Par des ridiculos. Fais voir ça. Ah ouais, la Théo, t'es ridiculos, la vérité. Bon, il faut que votre mouvement parte d'abord du torse. Torse, épaule, coude, poignet. Voilà, comme ça. C'est un enchaînement qui doit être fluide. Hein, t'as compris, Delphine? Ouais, je crois. Voilà, comme ça. Waouh, monsieur, comment vous lancez super loin? Ouais, c'est que de la technique, hein. Et encore, je vais pas forcer. Bon, alors, je vous ai dit, le boomerang vient de... D'Autriche. Voilà, c'est ça, d'Australie. Et sa particularité, c'est... C'est qu'on n'a pas besoin d'aller le chercher. Voilà, et pourquoi on n'a pas besoin d'aller le chercher? Parce que si on demande gentiment aux garçons, les garçons, ils iront le chercher pour nous. Aïe! Non, je peux pas faire ça. Si je me fais choper, je suis viré du collège, c'est sûr. Arrête de stresser, Paul. J'ai pas révisé mes maths, donc on n'a pas le choix. Tu prends le chewing-gum et tu le mets dans la serrure. Et n'oublie pas que si tu réussis, je te donne mon numéro. Je vais voir si elle prof. Il y a Jafar qui arrive, t'as réussi? Ouais. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous avez révisé, le contrôle est très difficile. Alors, tu me donnes ton numéro? Mais j'ai mis le chewing-gum pourtant! Allez, vous sortez votre matériel pour l'évaluation d'histoire. On se dépêche. Monsieur?
Monsieur, j'ai un problème. J'ai eu un accident. Bon, Théo, tu prends ton sujet d'histoire. Excusez-moi, j'ai pris un ballon dans les yeux. Je vois plus rien du tout, là. Ah oui, non, non, Théo, tu peux pas faire le contrôle. Non, va à l'infirmerie, c'est mieux, je t'assure. Oh, merci. Ah, au fait, Théo, si l'infirmière n'est pas là, n'oublie pas les clés. Au boulot, Stevie Wonder. Et merde. Il est bien vu, l'aveugle, bien vu. Alors... Monsieur Jaffar, j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. En fait, avec mon père, on a mis au point un nouveau système d'argent de poche indexé sur mes notes. 10 euros par point au-dessus de 14. Donc on dit qu'au prochain contrôle de maths, vous me mettez un 17. Comme ça, ça fait pas trop suspect. Et moi, je vous donne 10 euros. En pourcentage, ça fait combien? Ça fait 33%. Un tiers, franchement, c'est honnête. Je veux 60%. Quoi? Mais attendez, il me reste 12 euros. Ok. Je veux 90%. Quoi? Mais attendez, ça a plus de sens, ça fait 3 euros. Vous allez jamais accepter. Vous me faites juste réviser, là. Pour le cours particulier. Salut, vieux. Salut. Attends, attends, deux secondes, là, je suis en train de jouer en réseau. Faut pas que je me fasse sucer le sang par les vampires. Super. Bah attends, viens, connecte-toi à la partie. Ça va être un peu tendu, là. Et merde. Oh, attends, fais voir. Et tu peux appeler avec ça ou il te sert juste à boiter quand tu le mets dans ta poche? Bon, vas-y, c'est bon, ça va. Eh, tu sais quoi? T'as qu'à dire à ton père que tu t'es fait racketter ton téléphone. Comme ça, ni vu ni connu, il t'achète le tout dernier smartphone dernière génération. Pas con. Eh. Allô, papa? Ouais, je t'appelle parce qu'on vient de me racketter mon téléphone. Bah ouais, ça craint. Bah, est-ce que du coup, avec tes points, tu pourrais me prendre le dernier Nova Smart 3? Allô? Allô? Oh. Bonsoir, ma chérie. Bah, il y a un problème, Madame Truche? Du tout, Madame Bresson. Voilà, vous savez que ce week-end, nous avons une sortie culturelle avec la classe. Oui, tout à fait. Vous partez samedi matin et vous rentrez dimanche soir. Sauf qu'un parent accompagnant m'a fait faux bond ce matin et qu'il me fallait le nom d'un remplaçant en toute urgence. Delphine m'a dit... J'ai dit que tu pouvais. Allez, s'il te plaît, maman, on sera toutes les deux comme ça, c'est cool. T'as jamais fait de sortie scolaire, même quand j'étais petite. Allez, s'il te plaît, maman. Oh, bon, allez, ok, ok, va pour la sortie. Ah, super. Bon, vous venez avec moi 2 minutes, je vous donne les papiers nécessaires. Je t'adore. Non, t'es une coquine, toi. Alors? Alors, samedi matin, j'ai super mal au ventre. Samedi midi, ma mère se barre toute seule. Et samedi soir, on fait une putain de soirée à la maison. Allez, kebab. Vous savez que ce matin, au collège, ils ont trouvé de la... Bonjour, maman. Ah, bonjour, mon cœur, ça va? Ils ont trouvé de la... DROGUE. Oh, c'est pas possible. Maman? Attends, chérie. Mais du C-A-N-A-B-I-S? Oui, enfin, C-A-2-N-A-B-I-S, mais oui. Maman, vous êtes sûre? Oui, oui. J'aurais mis qu'un N, moi. Bon, enfin, de toute façon, c'était de la M-A-R-I-R-U. Ah oui, non, alors là, je suis sûre de moi. Non, c'est de la M-A-R-I-J-U. Maman. Attends, chérie, s'il te plaît, vous êtes sûre? Ah oui, parce qu'en fait, ça vient de l'espagnol. Maman. Ah, oui, chérie. Quand vous aurez fini de parler de la C-A-M-E, est-ce que je pourrais avoir mon G-O-U, accent circonflexe, T-E-R, s'il te plaît? Oui, ma chérie, tiens. Merci. Ouais, j'ai cassé, ouais. Ah ouais? Au début, quand on sortait ensemble, c'était trop cool. On se prenait jamais la tête, on allait au ciné, on se baladait main dans la main, on s'embrassait. Attention, elle embrasse bien. Ah ouais? Ouais. J'avais jamais connu ça toute ma vie. Et puis au bout d'un moment, on se connaissait par cœur, on est tombé un peu dans la routine. Ça restait cool, mais après, je sais pas, elle a changé, elle est devenue jalouse. Elle voulait toujours savoir où j'étais, avec qui, elle m'envoyait des messages tout le temps, je devais lui répondre. J'ai changé de numéro, elle m'a retrouvé, j'essayais de l'esquiver dans la cour, elle me chopait à la sortie. Mais non. Putain, je me sentais prisonnier. Attends, elle me mettait la pression, je suis pas une bière. Bah ouais. Bah ouais. Et puis franchement, maintenant, tu me dis, je la vois, ça me fait plus rien. Ah ouais? Au début, c'était dur, hein, parce que ça a été quand même les 3 plus belles heures de toute ma vie. Ah ouais? Ouais.